Bonjour. Quelques petites nouveautés pour cette nouvelle session défi. En introduction, vous pouvez admirer un magnifique paysage pris en photo par ma cousine qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir ces images parce que je commençais à avoir du mal à trouver des images réellement inspirantes, bien qu'elles ne soient pas soumises à un copyright compliqué. Je mets le lien sur son Instagram professionnel si ça vous intéresse. Par ailleurs, j'ai décidé de faire une variation sur le tarot Shōzen. Comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à la disposition des cartes sous vos yeux, ça fait plus d'un mois que j'avais cette idée en tête et je me suis décidé là, j'ai dit c'est le moment pour essayer cette nouvelle configuration. Ça redynamise le tirage d'après ce que j'ai à première vue sous les yeux. J'aviserai par la suite de la pertinence de ce choix. Je vais commencer donc par développer les cartes centrales, puis vous trouverez la suite de ce tirage dans le lien qui se trouve dans le menu principal, comme d'habitude. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage défi pour cette mi-août, 1 million. J'ai choisi d'approfondir finalement ce tirage, de le complexifier un peu. Et c'est pour ça que j'ai tiré 3 cartes d'oracle. La première carte, la carte de l'union sacrée, elle vient poser le dilemme face auquel vous vous trouvez. Vous avez des projets avec les autres et les yeux de la beauté le soulignent très bien. Bah disons qu'il y a des verres qui sont à moitié pleins et d'autres qui sont à moitié vides. Disons que vous ne trouvez pas satisfaction dans tout. Mais cette carte souligne que vous manquez de clarté. C'est-à-dire que face à certaines personnes, vous estimez que le verre est à moitié plein. Face à d'autres personnes, vous estimez que le verre est à moitié vide. Il y a une confusion sur quelque chose qui devrait être fort simple. Il y a des choix à faire, des réévaluations à faire. Et la rêveuse éveillée, la carte d'évolution ici, souligne que vous devez trouver votre rêve éveillé, c'est-à-dire votre bien-être, dans toutes vos décisions, dans toutes vos actions. Ici, la première et la dernière carte, l'union sacrée et la rêveuse éveillée, ont en commun de parler de l'idéal, de ce que seraient les choses dans l'idéal. Dans l'idéal, nous serions tous engagés dans une multitude d'unions sacrées. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la signification amoureuse de cette carte. Il y a union sacrée à partir du moment où il y a de l'honnêteté et de la confiance dans une relation. À partir du moment où deux personnes qui sont en relation sont honnêtes vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de l'autre, et qu'elles peuvent se faire confiance inconditionnellement. Tout d'un coup, toutes les personnes qui s'étaient présentées à votre esprit, qui étaient en relation avec vous, s'alignent différemment. Et tout ce tirage vient parler de cela. Vient parler de votre rapport à l'autre, des attentes que vous avez par rapport aux autres. Pour souligner que si vous choisissez ce qu'il y a de meilleur, si vous choisissez ce qui vous épanouit, ce qui vous plaît, si vous êtes respectueux, si vous êtes honnête, si vous êtes dans l'idéal de la rêveuse éveillée, c'est-à-dire quelqu'un qui est parfaitement épanoui, qui est dans le bien-être le plus total, vous savez d'emblée quelles sont les relations que vous devez privilégier, quelles sont les occasions que vous devez créer. Parce qu'ici, notre défi, c'est de faire preuve de créativité. C'est d'avoir un plus juste regard, j'avais envie de dire, sur vos ressources. Oui, sur les ressources que représentent les collaborations. Une union sacrée est idéale dans tout type de collaboration, d'association. C'est ce que nous recherchons sur le niveau amoureux, mais plus profondément, c'est ce que nous devons rechercher dans toutes nos relations.
de l'honnêteté et de la confiance, de l'amour inconditionnel. Vous devez créer les conditions pour ça. Vous devez réviser vos attentes, c'est vraiment cela le terme. C'est qu'est-ce que vous attendez des gens? Pourquoi est-ce que vous attendez certaines choses d'eux alors que c'est des choses que vous devriez vous accorder vous-même? Il y a... Il y a un épanouissement personnel à cultiver ici. 9 de bâton, 9 de coupe, 3 de pentacle. C'est là que vous devez être créatif. C'est là que vous devez bien évaluer ce que vous voulez, ce que vous avez, et ce qu'il faut faire pour obtenir ce que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et ça va prendre du temps. On a le pendu dans cette position qui dit que ça va vous demander des efforts, mais que ça va aussi conforter votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Que cela va vous amener dans des collaborations qui seront réellement des collaborations qui seront positives, qui vous permettront d'avancer, de progresser avec d'autres personnes, ou en tout cas, au moins une personne. Ne pensez pas qu'en termes amoureux, c'est fort possible que ce soit amoureux, mais au-delà de cela, les personnes avec qui vous passez le plus de temps sont le reflet de ce que vous êtes. Et ici, il y a une quête d'absolu. Les étoiles. On a cette impératrice. C'est une œuvre majeure dont il est question. Parce que vous pouvez avoir une relation amoureuse très épanouissante, mais ne pas vous épanouir dans vos autres relations. Et c'est tout de même dommage. Je vais développer le reste de ce tirage. C'est très intéressant parce que... je vais le dire. J'avais dit que je ne ferais pas des spoilers, mais je vais le faire. Vous avez tous les as qui sont sortis sur ce tirage. Vous pouvez d'ailleurs les voir. Il y a l'as d'épée, il y a l'as de coupe, il y a l'as de bâton et il y a l'as de pentacle qui s'est planqué là-bas en dessous. Donc, tous les as sont sortis. Il y a une réinitialisation qui, bien plus profondément que vos relations amoureuses, se fait dans toutes vos collaborations, dans toutes les personnes avec lesquelles vous êtes appelé à interagir. Et ça, c'est magnifique, parce que ça vous permet de créer le chemin que vous désirez. C'est pour ça qu'on a la rêveuse éveillée. C'est une des cartes les plus magiques de cet oracle, parce que l'on vit son rêve. On ne se contente plus de rêver de ce que l'on désire. Non, on vit son rêve. Donc, soyez créatif et visez le meilleur, même si ça prend du temps. Parce que la patience est l'une des clés pour progresser. Allez, pour ceux qui le désirent, il y a le lien dans le menu titre. Pour tous, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.